Salut à tous, les amis, c'est Warland. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Odyssey. Donc, nous sommes en fait avec toujours avec l'histoire avec Meereen. Donc, on avait fini l'autre fois la quête, je sais plus ce que c'est, mais bon, on avait terminé. Donc, écoutez, donc là, on doit aller lui parler. On est près de l'objectif, donc on va y aller, c'est parti. Et pour ce cheval, avant que vous disiez, oh, comment tu l'as eu et tout ça? Alors, en fait, il faut battre le champion des mercenaires. Donc, j'ai réussi à le voir. Je suis niveau 51, donc. J'ai réussi à le défoncer et automatiquement ça m'a débloqué ce cheval qui est vraiment stylé. Manque plus que l'équipement Nades que j'ai en partie d'ailleurs. Et là franchement ça fera stylé. Bon donc on continue l'histoire, c'est parti. Je suis là pour affronter les rois. Tu es prêt à réclamer les terres de notre famille? Bien sûr. Mais mon principal but est d'abattre le roi vendu au culte. Tu fais la fierté de ta mère, Alexios. Mais es-tu sûr d'avoir assez de preuves pour le confondre? J'en suis sûr. Je préviens les efforts et te retrouve dans la salle des trônes. D'accord, je t'y retrouve. Pourquoi ce retard? Désolé pour cette attente. Tu as convoqué les efforts? Tu as dû parvenir à tes fins pour réussir à réunir cette foule béate. Donc en fait voilà, je me rappelle ce qui s'était passé. On devait tuer un disciple de Demos, non de un membre de Cosmos, donc du Cosmos, et il s'appelait Argos, je crois, ou Agos, ou un truc comme ça. Et on l'avait épargné. Et c'est lui qui nous avait donné en fait des preuves comme quoi que c'était le roi Pausanias, qui était donc un des membres du culte, avait donné l'ordre en fait, en gros, de tuer Alexios, c'est tout. Donc on en est à là en fait. Il n'y a plus de forces athéniennes en Béotie. La région vous appartient. Bien, une excellente nouvelle. J'imagine que la conquête de ce territoire ne t'a laissé guère de temps pour conduire notre champion aux Jeux Olympiques. Je l'ai conduit à Hélice, mais voilà. Il a eu un accident en mer. Alors j'ai dû participer aux Jeux et j'ai remporté une couronne pour Sparte. Par Niké. Bien joué, champion. Si tu n'as que de bonnes nouvelles, pourquoi avoir fait venir les efforts? On nous a parlé d'accusations sérieuses. Des accusations? Contre qui? Contre toi, tête de gland. Tu fais comme si tu ne savais pas. Cela te dessert, Pausanias. J'ai parcouru les terres de Sparte. Et même au-delà, j'ai pu prouver la trahison de Pausanias. C'est un adepte du culte de Cosmos. Ces scélérats sont prêts à tuer par centaines pour régner sur le monde grec. Ces preuves devraient suffire. Des preuves? Quelles preuves? Ainsi dont les rumeurs étaient vraies. Ha! Nous n'aurions jamais pensé qu'un roi puisse manquer autant d'honneur. L'honneur fait partie du passé. Bon, bah voilà, pour on tes a la crimes, preuve. Tu mérites la mort. Comment oses-tu menacer un roi? Pausanias, ton titre de roi t'est retiré. À compter de ce jour, tu es banni de Sparte. Je jure devant Athéna et Arès que vous le regretterez. La justice triomphera. Voilà, ça c'est fait. Sera faite, roi fantoche. Pardonne-nous, mon roi. Mon fils ne pouvait le laisser occuper plus longtemps ce trône. Naturellement. Vous avez largement mérité de recouvrer votre statut. Sparte vous offre sa gratitude et vous restitue votre maison. Tu récupères ta maison. Notre maison. Laissons la cour mener ses affaires. Retrouve-moi à l'extérieur. Il serait sage de s'occuper de Pausanias. Oh oui. Tout possible. Je le ferai. C'est un adepte, après tout. Quand ce sera fait, retrouve-moi chez nous. Avec plaisir. Le roi Pausanias appartient au culte de Cosmos. Je vais devoir le tuer moi-même. Ouais, et c'est ce qu'on va lui faire. Et toujours en Laconias, donc on l'a vu fuir vers le sud à travers la forêt. Il tente de rejoindre le port du village. Ouais, certainement pas. Faut tout de suite qu'on l'arrête. On va aller s'occuper de son cas, celui-là. Attends, mon petit pigeon. On se rapproche de la cible quand même. Voilà Pausanias. Malaka. Vite, cheval.
Cheval. L'avantage c'est que je te vois arriver loin. Hop. Allez, c'est parti, vite. Faut absolument que j'arrête. Ça prend un membre en moins. Alors... pour Assassin's Creed, il y a des missions que je fais en... ah bah il est juste là. En annexe, que je filme jamais. Notamment les quêtes de légende pour avoir les... à genoux devant ton roi, il a dit. Ah, il a bien dit ça, ouais. Non, non. Boum. Allez. On va faire du bilboquet. Oh, dégage. Et toi, c'est pareil. On va te casser ton bouclier, merci. Mais non. Pouah. T'es nul. Elle fait quoi, la villageoise, elle est sérieuse? Il est mort, tout le monde il est mouru. On va confirmer la mort, hop. Voilà, ça c'est fait. Je ne m'arrêterai qu'après. Alors on a eu, à mon avis, on a eu des indices. Il n'est plus là. Quoi donc? Il y avait un crâne ici, un crâne de lapin, ton premier trophée. Pourquoi quelqu'un l'aurait-il pris? Une seule personne a pu l'emporter. Nikolaos. Le fait de nous revoir lui a peut-être rappelé cet endroit. Ça a été le cas pour moi. La nostalgie n'a pas frappé que moi, on dirait. Je ne dérange pas, j'espère. Brasidas, viens, entre. Cela fait plaisir de vous revoir chez vous. Et ça fait du bien d'être ici. Tu n'es pas à l'entraînement? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois me rendre à Pylos au plus vite. Je crois que tu ferais bien de m'accompagner. Bon, allez. Je serais ravi de te rendre service. Qu'est-ce qui nous attend à Pylos? La gloire, bien sûr. Les Athéniens repoussent les Spartiates en ce moment même. Une telle perte serait un rude coup pour Sparte. Je dois l'empêcher à tout prix. On dirait que tu doutes de l'ardeur des guerriers Spartiates. Ils sont toujours aussi robustes. Mais ils affrontent un pouvoir dont ils n'ont aucune idée. Tu parles de Deimos ? Oui, si l'on en croit les rumeurs. Une force de la nature dans l'enveloppe d'une mortelle, et à laquelle aucun soldat ne résiste. Si Deimos est à Pylos, nous devons agir. Je t'attendrai au navire, mais fais vite. Chaque instant perdu coûte la vie à un Spartiate. Cassandra est à Pylos. Tu dois absolument la ramener, Alexios. La ramener? Nous avons retrouvé notre maison. Nous pouvons redevenir une famille. Il n'est pas trop tard. Allez. Je vais la ramener, quel qu'en soit le prix. C'est capital, Alexios. C'est peut-être notre seule chance. Je comprends. Elle a dû voir la véritable nature des adeptes à présent. Peu importe ce que tu devras faire, ramène ta sœur ici. Il le faut. Rien ne m'en empêchera. Je dois y aller. Brasidas m'attend. Sois prudent, Alexios. Ok. Ah, une armure, je sais pas. Pas mal d'épée. Ah, on a eu un indice sur... ensemble. Déjà, on va se faire ensemble.
Ok, donc c'est à 3000 et quelques mètres. Alors, les amis, donc nous sommes près de la mission que l'on doit exécuter. Je disais tout à l'heure, avant qu'on affronte l'adepte, en fait, en hors caméra, enfin en vidéo, je fais des missions qui sont temporaires, par exemple pour débloquer les skins exclusifs, légendaires de navires, etc. Bah, n'hésitez pas à dire si ça vous intéresse que j'en fasse, parce que bon, c'est vrai que je le fais toujours hors vidéo, mais du coup, des fois, vous voyez des vidéos où il y a un skin totalement différent, et alors que vous l'avez jamais vu. Bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en vidéo, j'en filmerai quelques-unes dans ce cas, quand il y aura les événements. Donc, alors, on doit parler à l'officier spartiate qui est juste là, hop. Où est Brasidas? Et qu'est-ce que tu lui veux? Oh, toi, je vais te taper, toi. On a combattu ensemble. Un ami? Oui, ouais. Un ami de Sparte. Maintenant, mène-moi jusqu'à lui. Halt! J'ai des ordres! Montez la garde et attendre les renforts. Il aurait dû arriver avant-hier. Plus besoin d'attendre. Je suis là. Toi? Je te signale que les Athéniens nous tiennent à la gorge. Tu fanfaronneras moins quand tu les verras. Avec moi, nous les enverrons aux passeurs. Ha! Alors bienvenue, guerrier. J'espère que tu te bats aussi bien que tu parles. Allons voir Brasidas. Comme je les aime. Un jour glorieux, touche pas. Exactement. Oh putain, on voit rien tellement c'est chaud. Hop. On va essayer de s'en faire quelques-uns. Boum. Le passage. Voilà, il a volé un petit peu loin. Il a volé loin, toi. Voilà. On va aller se retrouver le suivant. Ah, cette arme, elle est magique. Cette massue, elle est terrible. Je l'ai eu à un mercenaire. En fait, je l'ai gagné grâce à un mercenaire. Elle enflamme tous les ennemis. C'est une tuerie. J'ai aussi débloqué la forge d'Hadès qui est d'ailleurs dans cette région. Dans un fort. C'est vrai, c'est pareil, il y a les mêmes propriétés en fait. Je shoot un peu tout. Hop. Voilà. Tout ce que j'ai mis ici, c'est ça. Tac. Ah bah c'est des mousses, tiens. Brasidas. Ah, te l'avais dit. Et c'est toi. Tu vas me perdre. Non mais tu peux pas me faire ça, toi. Oh ouais. Si Brasidas meurt, tu auras son sang sur les mains. Le tien et celui de tous tes amis. Vol, on peut encore en baisser. Assez. Rien ne nous arrêtera. Je ne veux pas te tuer, Cassandra. Je t'empêcherai de venir.
Oh, c'est pas le combat final quand même, si. Par contre, on est bien d'accord, si je peux ne pas la tuer, je la tue pas. Hein. Je préfère vous le dire. J'aimerais bien voir ce que ça fait si je peux la sauver. Si je peux, bien sûr. Je sais pas ce que c'est que cette attaque qu'elle a. Allez, viens. What the fuck? C'est quoi, c'est le roi soleil ou quoi? Ouf. Bien. Là me fait un peu mal. Pour être honnête, je pense qu'une attaque, vache, une arme beaucoup plus rapide serait sympa. Et tu vas pas te guérir encore. Fait de la brochette avec moi. Je fais que ça à éviter. Si nous continuons, l'un de nous deux mourra. C'est là le but, non? Ah mais t'es ma sœur. J'ai retrouvé mère. Oh, ah bah ça c'est con ça. Allez. Ah bah oui, bah ça c'est encore plus con. Oh mon stuff, il est où? Je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête. Quoi? En essayant de te sauver? Non, ce n'est pas ça. Je t'ai dit de ne pas te mettre sur mon chemin, et te voilà encore. Et maintenant? Je suis prisonnier avant d'être tué? Tu as tout deviné. À moins que je change d'avis, et que je vienne te tuer tout de suite. Mais avant cela, dis-moi ce que tu sais. Je croyais que tes adeptes te disaient tout. Apparemment, tu es de leur côté, mais ils ne sont pas du tien. Tu crois qu'ils se servent de moi? Alors prouve-le. Montre-moi que je suis dans le mauvais camp. Oh là là. Je te mets au défi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout ce que tu prétends être vrai. Mais ensuite... je te tuerai. Pourquoi m'a-t-on abandonné cette nuit-là sur la montagne? Alors... demande à ceux qui veulent ma mort, qui te traitent comme une prétendue déesse. Tu oses insulter ceux qui m'ont évité la mort? Ce sont eux qui t'ont précipité de cette falaise. Je leur ai offert la victoire. Ils se débarrasseraient de leur championne, Malaka. Alors... on va dire que c'est l'arme du culte. Il se sert de toi comme d'une arme. Dès que tu auras perdu ton tranchant, il t'abandonnera. Quoi qu'il en soit, là où d'autres ont vu un avorton, le culte a vu autre chose. Alors, la prophétie disait que tu condamnerais Sparte. Le culte voulait t'avoir. On va pouvoir mettre ça. Le culte tenait à t'avoir. Pour faire de toi quelque chose qui leur serait utile. Je me suis faite toute seule. Regarde-toi.
C'est ça ce que tu voulais devenir ? Je suis une déesse. Le culte me vénère. Alors, on va dire que le culte cherche à dominer le monde, le culte veut éliminer notre famille, le culte se débarrassera de toi. Ouais. Faut qu'il... Je pense qu'il faut quelque chose qui l'attaque personnellement, parce que le culte cherche à dominer le monde. Elle, vu la situation, son état d'esprit, je pense qu'elle s'en fout. Veut éliminer notre famille, vu la haine qu'elle a contre la famille, à mon avis, elle s'en fout aussi. Donc je pense qu'on va mettre ça plutôt quelque chose qui l'atteint. Réveille-toi, Cassandra. Le jour où tu tomberas, il trouvera quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus malléable. À ton avis, pourquoi s'intéresse-t-il à moi ? Qui s'intéresse à toi ? Si le culte voulait t'avoir, il t'aurait sauvé. Si Myrine tenait à toi, elle serait ici. Accepte-le, tu n'intéresses personne. Un jour, tu comprendras que les gens comme nous ne font pas partie de l'avenir dont rêve le culte. Dans ce cas, je n'aurais eu ma place nulle part. Bah ouais. Deimos, nous avons cherché partout, et tu es là. Dans ce cachot. J'ai entendu des cris. Ce n'est rien. Pas ! Sur le champ ! Tu n'avais pas à venir ici, jeune fille. Je ne suis pas ton pantin. Et tu n'es pas mon maître. Bien sûr, championne. Pardon pour ce manque de considération. C'est par ta faute que tu t'es retrouvé ici. Je n'en ai aucun souvenir. Comprends que c'est pour le bien d'Athènes, Alexios. Périclès aurait causé la perte de toute la ville. Le peuple vivait dans la misère. Alors, tu l'as fait tuer. Il faut casser plusieurs œufs de caille pour trouver le plus beau jaune. Il nuisait à la cité. Faire tuer tes adversaires en dit long sur ta nature de chef. Oh, je n'en suis qu'à mes débuts. Dommage, tu ne verras pas la suite. Entre dans la cellule. Tu es venu me tuer, n'est-ce pas ? Voyons ce que tu sais faire. Malheureusement pour moi, j'ai d'autres incendies à éteindre. J'ai entendu parler d'une révolte. Déjà ? Ça n'a pas tardé. J'ai une solution. Les morts ne peuvent pas se révolter. Je te vois mal tenir tête à une bande de rebelles si tu refuses d'affronter celui que tu as devant toi. La décision ne m'appartient pas. Elle est le fruit d'un vote. Je te l'ai dit. Le peuple m'a accordé sa bénédiction. Je mets en œuvre son pouvoir. Ce n'est pas ça la démocratie. Le peuple a choisi sa destinée, Alexios. Il m'a choisi. Crève, Cléon. Je n'ai rien ordonné. Le peuple d'Athènes a parlé sans que je lève le petit doigt. C'est comme ça qu'on mate une révolte. Il ne sait pas à quoi il a consenti. Tu m'as aidé à Athènes, de ton plein gré même. Si seulement tu ressemblais plus à ta sœur. Dommage, oui. Le culte a gagné, Alexios. Bon, je dois aller m'occuper du bateau qui vogue vers Mytilène. La population va avoir une belle surprise. Ok. Ah, là, les deux, hein. Toi ça te paraît, moi. Tu vois, je suis vraiment énervé, tu vois. Voilà. Intéressant. La mort est peut-être la plus grande bénédiction qui soit, en fin de compte. Ah, au
moins vous avez essayé. Bien sûr, c'est l'intention qui compte. Les dieux soient loués, tu es vivant, Alexios. Il y a peut-être d'autres gardes. Je crois que nous devrions partir sans tarder. Attendez, il faut qu'on parle de Cléon. Socrate s'occupe de ce malacre. Nous savons ce qu'il prépare. Plus vite. Son équipement, Barnabas. Oh oui, mon équipement. Quoi, ça tient dans un petit sac? Allez, viens, Barnabas. Alexios, retrouve-nous à la demeure. Elle a la place, mon équipement, quand même. Nous y parlerons de ce que nous savons. Et des boîtes, hein. Les marches qui mènent au Parthénon sont nombreuses et posées sur des cadavres. Ouais, si tu le dis. C'est quoi l'arme? Un arc de Paris. Ouais. Ah, c'est toujours pas le big boss en fait, ouais. On en a encore à découvrir. Hein. Wouah, punaise, tous les mercenaires que j'ai. Bon bah écoutez, on va se faire cette mission, parler à Socrate chez Périclès et tout. Puis on verra comment ça découle, de quoi ça découle derrière. Oh, je suis pratiquement full au taquet là. C'est nouveau mercenaire, ça va être tendu. Eh non. Ah, la feinte. Toujours en vie. Bien sûr que oui. Barnabas était prêt à retourner te sauver. Comme il l'a dit, c'est l'intention qui compte, non? De toute évidence. Viens, les autres nous attendent. Nous commencions à nous inquiéter. Oui, tous les gardes d'Athènes sont sur tes traces. Si Cléon pense que ça suffira à m'arrêter... Qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes en train d'élaborer un plan pour abattre Cléon. C'est à peine une ébauche. Beaucoup de discussions, mais très peu d'action. Donc, vous voulez abattre Cléon? Dites-moi plus. Ce sera difficile. Sa mort troublerait l'ordre et aggraverait la situation d'Athènes. Il a raison. Commençons par ruiner sa réputation. Aristophane a apparemment une pièce de théâtre qui pourrait faire l'affaire. Une pièce? Mais c'est beaucoup plus que ça! Oh! Ne te mets donc pas dans un état pareil. Oublions la colère et faisons place à l'amour. C'est tellement plus agréable. Ne restons pas les bras croisés. Cléon envoie un bateau à Mytilène pour massacrer les habitants. Le peuple fait confiance à Cléon. Il votera tout ce qu'il lui proposera. Cela ne veut pas dire que nous ne devons rien préparer. Il ne sera pas facile de renverser Cléon. Mais avec ton aide, ça devient possible. Ok, bah écoutez, on en a appris un peu plus sur ce que l'on va faire pour faire tomber Cléon. Donc il y a déjà au moins une pièce de théâtre, au moins. Bon là, on a deux autres actions, donc on verra ce qu'on va faire. Écoutez, sur ce les amis, on verra ça dans une prochaine vidéo, donc les petites étapes un peu pour faire tomber Cléon, on verra ça prochaine fois. Allez, sur ce, je vous dis à plus.